Et bonjour à tous, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo réception Vinted. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une réception de cartes de la série XY Génération. Donc il y aura des cartes de base, donc normal, non reverse, non holo, et une grosse partie de reverse et une grosse partie aussi de la série RC. Donc j'ai commandé ce lot parce que il m'en manque quelques-unes dans cette série là pour compléter ma collection de XY Génération. Donc voilà, je me suis équipé de gants parce que les cartes sont dans un super bon état. Donc je suis plutôt content de cette réception. Voilà, donc on va commencer. Il y a pas mal de dresseurs, etc. Mais il y a aussi des Pokémon, donc ça fait plaisir. Voilà. Hop. Donc on commence par Sana, donc des dresseuses, on va passer plutôt vite. Voilà, dame du centre Pokémon. Pokéball. Rapelmax. Lem. Mélofée. Les illustrations de cette série sont vachement sympas. J'aime beaucoup. Hop. J'aime beaucoup cette série en tout cas. Melodelph. Scarabrut. Donc il y a quelques rares. Paras. Parasect. Sac de nœud. Chrysacier. Donc si jamais vous voyez des cartes que vous n'avez pas, n'hésitez pas à me contacter. Et on pourra voir ensemble si je les ai gardées ou si elles sont à la vente ou à l'échange. Donc n'hésitez pas. Chenipan. Tignon. Super illustration de Tignon. Sympa. J'aime beaucoup. Hop. Topicker. Oh. Machopper. Machoc. Avec son gros caillou. Sympa. Trio Picker. Rhinocorn. Racaillou. Galopa. Magnifique illustration de Galopa. J'aime beaucoup. Ponyta, Magmar, encore Ponyta, donc il y a quelques doubles, Pikachu, Krabby, sympathique, petit Krabby, Coquillas, Léviator, cette carte est magnifique, j'aime beaucoup, il me semble que c'est une réédition pour exclusivement pour les 20 ans de Pokémon, elle est dans une autre série cette illustration. Crustabri, Magikarp, plutôt simple. Dresseur, donc il y a pas mal de dresseurs et le dresseur je l'ai passé rapidement. N'hésitez pas à mettre pause si vous voulez voir mieux. Dodrio, sympa, c'est une rare. Tauros, une rare encore. Dodio, superbe illustration dans le paysage, les fleurs, etc. C'est sympa. Miaous, le petit Ronflex, sympa. Persian. Imakuni. C'est marrant comme carte celle-ci. Astera. Revitalisation. Échange d'énergie. Sbire de la team Flair. Fun Club Pokémon. Liputu. Fantominus. Nosferapto. Franchement, les illustrations sont vraiment sympas, j'aime beaucoup. Nosferapti, Ramolos, énergie. Et ça, c'est que des énergies qui sont pas très simples à trouver en réalité. Hop, énergie eau, énergie fée, énergie terre, énergie obscure, énergie éclair, énergie psy, énergie du type. Si je me trompe pas, c'est feuilles ou type herbe, ouais. Et type feu. Sympa. Je regarderai si je les ai ou si je les ai pas. Je me souviens plus exactement de ce que j'ai et ce que j'ai pu, mais c'est très intéressant. Donc là, on s'attaque au reverse et aux holo. Donc, Topicker reverse. Je ciblerai tout ça après la vidéo. Les états sont... Franchement, les cartes, elles sont... On va dire near mint slash excellent. Hop, excellent état. Trio Picker,
Un petit dresseur en river, Sana, revitalisation, sbire de la team Flair, Racaillou, Gravalanche. Donc ça c'est... Non, c'est même pas une rare, reverse. Rhinocorn, j'aime beaucoup ce Pokémon Rhinocorn, j'aime beaucoup. Petit dinosaure. Ou Rhinophéros, mais on dirait un dinosaure. Lipoutou en reverse. Ectoplasma en reverse. Magnifique. Très beau Pokémon. Fantominus. Ramolos. Ponyta en reverse. Galopa reverse. Pareil. Hein. Très bon état. Ronflex en reverse. Dodrio. Doduo. Persian. Niaous. Crustabri. Les cartes sont magnifiques. Je trouve que l'effet reverse de l'époque, d'XY en tout cas, est meilleur que celle de entre 2020 et 2023. Je sais pas. C'est mon goût. Je sais pas votre avis, mais moi je préfère être. Krabi. Petit chrysacier sur son arbre. Magnifique illustration. Pour un petit Pokémon comme ça, c'est sympa. Chenipan. Parasect. Monsieur Mime qui est en train de faire les carreaux. Hop, une petite énergie obscure reverse. Bon, qui est un peu rayé, je vous avoue. Ça, ou alors c'est de la printline. Mais c'est sympa. J'aime beaucoup. C'est plutôt rare à trouver. Une petite énergie reverse. Un autre dresseur en reverse. Encore un dresseur. Et là, on arrive à la série RC. Donc, c'est des cartes vraiment. On va dire vraiment choupi, vraiment il y a quelque chose quoi, ça sort du lot, c'est franchement quand ils ont fait ça, je trouve qu'ils ont bien géré leur truc. Elles sont toutes au lot et elles ont des particularités sur la partie où il y a les attaques. Donc moi j'aime beaucoup. L'effet river, c'est ce qu'on va le voir. Enfin, l'effet au lot, ouais on le voit là. Franchement, allez c'est parti, on va découvrir ça. Cup Canaille. Vous voyez, il y a des petits dessins super sympas. Jancy. Floette. Il me semble que c'est celle-là qui me manque. Il m'en manquait que deux dans la série RC. Donc, c'est super sympa de faire rentrer ça. Le petit Jirachi. Cette carte est magnifique. Franchement, elle est magnifique. Pour les collectionneurs de Jirachi, je pense que vous serez d'accord pour dire qu'elle est magnifique cette carte. Le petit Deden qui fait dodo. Voilà. Momartic. Il est incroyable ce Pokémon aussi. Franchement, style Jap et tout. Style. Mystigrit. Pareil, incroyable. Je crois que je vous ai monté cette illustration là dans la précédente vidéo, mais en japonais, avec un holographisme incroyable aussi. Voilà, un petit dresseur. Yveltal. Cette carte est magnifique aussi. Franchement, j'aime beaucoup. Altaria. Flabébé. Je sais pas si elle est holo celle-ci. Je crois pas. Non, en fait, je vous ai dit des bêtises, elles sont pas toutes au lot, je pensais. Petit passe rouge, sympa, superbe illustration. Tilton, avec trois petits tiltons. Stalgamin, c'est un Stalgamin. Petite blague. Un petit reptincelle, super sympa, franchement, il y a un trio de cartes. Il me semble qu'après, il y a le Salamèche, mais il y a un trio de cartes, je les ai déjà, mais. Le trio de cartes est incroyable. Et il me semble que dans la série Violette et Écarlate, au niveau des TG, on va dire, il y aura pareil une évolution des Pokémon et pareil mise en scène avec leur dresseur. Ça sera
Et je pense qu'ils se sont inspirés de ça, je pense. Le petit Salamèche, incroyable, qui court avec les lunettes de son dresseur. City Gris, super sympa. Culbutoke, celle-là je n'avais pas non plus, donc elle rentre dans ma collection. Super sympa. Hop, Gloopty, Balignon, et pour la dernière carte, ce sera la couronne. Ah non, c'est pas la dernière, couronne florale. Et pour la dernière, le petit Germignon avec le petit Pikachu en arrière-plan. Donc voilà. Donc voilà pour cette petite réception Vinted qui vient compléter ma collection XY Génération. Voilà. Donc je vous tease un petit peu, la prochaine vidéo ça sera certainement une ouverture ETB Zenith Suprême, parce que j'ai envie d'essayer, j'ai envie de voir un peu comme les autres, hein, j'ai envie de voir si les ETB sont beaucoup plus buggés que non. Donc voilà, je vous laisse vous abonner à la chaîne, lâcher un like si la vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à aller voir mon Instagram, je mets quelques photos de ma collection sur cet Instagram, donc comme celle-ci, elles sont sur mon Instagram. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous et à la prochaine.